Bien amis, vous êtes ici à Strasbourg pour accompagner votre nouvelle auteure Céline Laperto. Oui. Est-ce que pour vous c'est une émotion particulière de faire découvrir un nouvel auteur? C'est le fondement même de ce métier que j'ai choisi, c'est plonger dans un manuscrit dont je ne sais rien et puis être touché, percevoir quelque chose, rencontrer l'auteur, essayer de voir pousser dans ses retranchements et puis enfin faire paraître, passer à cette dimension concrète, c'est-à-dire qu'un livre c'est quand même une pensée qui se manifeste dans des pages, pensée, un imaginaire. Et effectivement, pour moi, j'aime publier des auteurs nouveaux, être à l'origine de ce qu'ils peuvent être. En fait, c'est un potentiel extraordinaire. Et c'est vrai que j'essaye toujours, en général, de participer avec l'auteur à une ou deux rencontres parce que ça me semble symboliquement très 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 important. Est-ce que pour vous c'est important, quand vous lisez un manuscrit, qu'il y ait une émotion derrière, ou est-ce qu'il peut suffire d'avoir une construction littéraire avec une culture? Ah non, l'émotion est fondamentale. Sans émotion, qu'est-ce qui caractérise l'humain? C'est de ressentir. Et la construction est au service de l'émotion. Et pour moi les deux vont ensemble. Je veux dire c'est ça qui je veux dire, en fait, la construction ne doit pas se voir. Parce que un immeuble bien construit ou une phrase bien construite, bien, on ne va pas déterminer comment elle a été construite, mais c'est fondamental. Mais il faut qu'elle transmette quelque chose, et ce que l'on transmet, c'est l'émotion. Vous allez fêter les 25 ans d'existence de votre maison l'année prochaine. Je crois vraiment que chaque individu, à un certain moment, doit trouver sa place pour être ce qu'il est, mais malgré tout, il vit en société, il y a une certaine partie de lui-même qui doit être au service de la collectivité. La collectivité lui a permis de se construire, et donc il y a, pour moi, la notion d'échange est fondamentale. Et c'est vrai que je crois que si on est un tout petit peu attentif, chacun doit trouver ce qu'il aime faire pour le faire le mieux possible, pour échanger avec la société et les autres aussi. Vous nous préparez quelques surprises? Oui, vous savez, déjà cette année, c'est les 20 ans de la collection Chemin Nocturne, la collection policière. Les premiers livres sont sortis en mars 1994, et donc là vient de paraître un premier roman dans la collection Chemin Nocturne d'Alexis Ragugno, qui s'appelle La Madone de Notre-Dame. Et en mars, donc pour fêter les 20 ans, je ferai paraître le nouveau roman de Dominique Sylvain, qui est un auteur que j'ai publié pour la première fois en 1994. J'aime bien cette symbolique, c'est-à-dire un nouvel auteur avec justement un auteur qui a maintenant, je ne sais plus, je crois qu'elle doit avoir 12 ou 13 livres. Je ne suis pas éditrice, je n'ai pas du tout, je ne revendique pas un statut. Je vis et je fais ce que je crois à peu près savoir faire, mais j'ai aussi, pour moi, la transmission est quelque chose de très 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 important, et je transmets en échangeant. Et pour transmettre, il faut aussi recevoir de l'autre, transformer ce que l'on a reçu et le retransmettre. Avec un livre, on est partout à l'aise, ou au ciel, ou sous terre, c'est la même chose.